mal économique, les unités industrielles subissent de plein fouet les effets ravageurs de la fraude, de la contrefaçon et de la mévente. Le groupement professionnel des industriels va au fond pour défendre l'industrie burkinabé et les emplois qu'elle offre. Ses responsables ont visité les usines les plus touchées pour faire le point et tirer la sonnette d'alarme. Comment rendre opérationnel le Fonds d'intervention pour l'environnement, le FIE, un dispositif créé il y a près de 20 ans et qui attend un début de mise en œuvre. Les acteurs se concertent à Ouagadougou sur la stratégie d'opérationnalisation de ce fonds. Et puis à la Mecque, les pèlerins observent en ce jour la station d'Arafat. C'est la veille de la Tabaski et au Burkina, on se prépare pour cette grande fête de l'islam. Certains ont choisi de faire le carême, d'autres sont à la recherche du mouton. Et certains se soucient de leur toilette et de leur élégance. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 20h. Tout d'abord, le président du FASO a reçu en audience ce matin un émissaire du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'agit du ministre malien de la Réconciliation nationale et du Développement du Nord, Monsieur Cheikh Oumar Diarra, qui était porteur des messages du président malien au médiateur désigné de la CEDEAO pour faciliter le dialogue intermalien. Des images de cette rencontre à Kossiam avec Estelle Judith Assorba. Le ministre malien de la Réconciliation nationale et du Développement des régions du Nord dit être venu apporter un message de remerciement au président du FASO pour avoir participé à la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta le 19 septembre dernier et pour les efforts mis en œuvre dans la quête de la paix et de la stabilité dans la sous-région et au Mali. Malgré toutes ces actions, ainsi que les multiples médiations de la CEDEAO et de la communauté internationale, la situation reste toujours confuse au Nord Mali. À ce sujet, l'émissaire malien se dit optimiste. Oui, la réconciliation est possible et elle se fera, elle est en œuvre, elle se poursuit déjà. Il y a beaucoup d'actions qui ont été accomplies depuis le 8 septembre, date de notre entrée en fonction. Et nous allons poursuivre ces efforts-là inlassablement, avec détermination, beaucoup d'imagination et beaucoup de sagesse. Il n'y a pas de confusion, il y a une situation compliquée. Et c'est notre tâche, notre rôle en tant que dirigeant de résoudre les problèmes. Les problèmes ne doivent pas nous effrayer. La reprise de ces négociations découle de la déclaration faite à Ouagadougou le 5 octobre dernier par les mouvements armés qui occupent le nord Mali. Une autre personnalité reçue à Kossiam aujourd'hui, Chief Daouda Mandiaya Baoumia, ambassadeur du Ghana en fin de mission au Burkina. Le diplomate ghanéen est allé faire ses adieux au président du FASO. Au micro de Estelle Judith Assorba, il fait le bilan de son séjour au Burkina. Lorsque je suis arrivé au Burkina Faso il y a 4 ans de cela, j'ai été chaleureusement accueilli aussi bien par le président du FASO que par le peuple burkinabé. J'ai travaillé sans relâche avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Et j'ai également travaillé d'arrache-pied avec votre ambassadeur auprès de la République du Ghana. Et tout ce travail a été possible grâce à la bénédiction de votre président, son Excellence, M. Blaise Compaoré, à travers les bénédictions du président John Dramani Mahama du Ghana. Et c'est à travers donc toutes ces bénédictions que nous avons pu renforcer la coopération entre nos deux pays. Et cela nous a également permis de promouvoir l'amitié qui existe entre nos deux pays. C'est du reste ce qui nous a permis de tenir la 11e session de la commission mixte de coopération entre le Ghana et le Burkina Faso. Et comme vous vous rappelez, comme il vous souvient, nous avons pu tenir la 11e session de la commission mixte Ghana-Burkina au niveau donc du Ghana en mars 2011. Et c'est seulement la semaine passée que nous avons pu tenir la 11e session au niveau donc de Ouagadougou ici. L'un des points qui a fait l'objet des discussions au cours de cette commission mixte, c'est un programme d'échange entre les jeunesses des deux pays, du Burkina Faso et du Ghana. Et ce programme vise à permettre donc les jeunes Ghanéens de venir ici pour enseigner l'anglais au Burkina Faso et également permettre aux jeunes du Burkina d'aller au Ghana pour enseigner le français. Nous pensons qu'en mettant en place ce programme, cela va permettre de réduire la question du chômage au niveau donc des deux pays.
Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la réunion du Conseil des ministres de l'OADA, placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État a l'honneur de porter à la connaissance des personnalités et invités que la dite cérémonie, initialement prévue pour le mardi 15 octobre 2013 à 9h, est reportée à 17h le même jour et au même lieu. L'heure limite d'arrivée est fixée à 16h30, le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Yougbari. Quatre nouveaux conseillers nommés à la Cour des comptes, ils ont prêté serment en prenant l'engagement de remplir avec loyauté leur fonction, celle de juger les comptes des comptables publics. C'était devant une assemblée de parents, d'amis, de collègues et de représentants de différentes juridictions. Le reportage de Maïmouna Traoré. Loin d'être une formalité, cette audience solennelle satisfait à une obligation légale, celle qui dispose que les membres nommés à la Cour des comptes prêtent serment avant leur entrée en fonction. Ces quatre nouveaux conseillers, des inspecteurs du Trésor et des impôts, acquièrent ainsi le statut de magistrat durant leur mandat. Leur rôle au sein de cette juridiction de contrôle des finances, juger les comptes des comptables publics. Cette nouvelle fonction m'amène en fait à me poser beaucoup de questions, à savoir comment faire pour honorer la confiance qui nous a été faite en nous proposant à ce poste de magistrat. Les inspecteurs des impôts ne sont pas des magistrats, mais en qualité de conseiller à la Cour des comptes, nous devenons magistrats et nous devons tout faire pour mériter justement la confiance qui a été placée en nous. C'est un sentiment de joie. Et en même temps, je prends la mesure de la tâche qui me sera désormais dévolue. Et je veillerai en tout cas, durant tout mon mandat, à assurer tel que le serment par rapport au serment que j'ai eu à prêter. Tous titulaires d'une maîtrise en économie et du diplôme du cycle A de l'ENAREF, ces nouveaux conseillers à la Cour des comptes ont plus de 15 ans de service. Ils ont aussi, dans leur parcours professionnel, occupé des postes de responsabilité, des expériences qui vont guider leur pas dans leurs nouvelles fonctions. Ils pourront également compter sur l'accompagnement de leurs collaborateurs. D'ores et déjà, le premier président de la Cour des comptes les invite à faire preuve de rigueur, de probité, de prudence et de courtoisie dans l'exercice de leurs fonctions. À 291 jours de la fin du compact MCA, le gouvernement burkinabé et son partenaire américain font le bilan de ce programme. On est en ce moment à un taux d'exécution de 86% en termes d'engagement et un taux de 56% de décaissement. Un bilan jugé satisfaisant par les acteurs qui ont tenu cet après-midi au premier ministère un conseil de cabinet bilan. Reportage Frédéric Etienne Bassinga. À moins de 10 mois de la fin du compact Millennium Challenge et Compte, le bilan est plus que satisfaisant. Lancé le 14 juillet 2008 avec des composants tels que le foncier, le développement agricole, les infrastructures routières et l'alphabétisation, ce programme est à un niveau d'exécution de 86% en termes d'engagement et un taux de décaissement de 56%. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une période où nous pouvons espérer terminer tout ce qui est compris dans le compact. Sinon même faire plus. Je dis faire plus parce que rien que pour les aménagements hydro-agricoles, il était prévu de faire 2033 hectares. Nous sommes à 2250 hectares, donc vous pensez qu'on a fait beaucoup plus. Hormis quelques difficultés à Kodougou et certaines procédures d'attribution reprises à Banfora, Bisiri Sirima et son équipe entendent être à 100% de taux d'exécution en termes d'engagement au soir du 31 juillet 2014. Par ailleurs, l'ambassadeur des États-Unis présent à cette rencontre bilan a félicité le Burkina pour le progrès déjà réalisé. Il a également émis le vœu de voir l'ensemble des acteurs continuer sur cette lancée. En matière de lutte contre l'insécurité routière, les pays de la CEDEAO veulent davantage parler le même langage. L'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest travaille à cette fin. Cette organisation tient à Ouagadougou une session consacrée à des échanges et partages d'expériences en vue de renforcer la coopération sous-régionale. Moussaki et Maïmouna Traoré.
L'Assemblée générale de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest veut diagnostiquer les causes et explorer les solutions à l'insécurité routière dans les pays de l'espace CEDEAO. La cinquième session des pays membres de cette organisation est une rencontre d'idées et de partage d'expériences dans les domaines de la sécurité routière. Et il y a des projets à exécuter, à faire au niveau sous-régional concernant la sécurité routière. Et il y a des problèmes ici au Burkina. Les spécialistes en sécurité routière ici, nous allons échanger des idées au niveau de sécurité routière. Les spécialistes dans la sécurité routière dans tous les pays de l'Ouest africain sont là. Et même la CEDEAO, ils sont les spécialistes en sécurité routière dans les infrastructures. S'il y a les problèmes associés à tel ou tel pays, on va discuter ensemble et on va assurer que les solutions sont trouvées. D'autres thématiques seront passées en revue à cette cinquième rencontre des professionnels de la sécurité routière. Il s'agit de la nécessité de renforcer la coopération régionale d'une part et d'autre part de faire le bilan à mi-parcours du plan d'action pour la sécurité routière 2011-2020. Et cette rencontre a pour but de faire le point et de voir quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour justement mettre en œuvre ce plan d'action pour la sécurité routière. Parce que vous savez que chaque pays a une expérience certainement différente en matière de lutte contre l'insécurité routière. Et ces rencontres sont des rencontres d'échange qui permettent de tirer profit de l'expérience des autres. Cette cinquième session de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest devrait définir des solutions appropriées à même d'introduire la sécurité routière dans les curricula des lycées et collèges des pays membres de la CEDEAO. Le Burkina partage son expérience en matière d'élevage traditionnel. Un des instruments d'accompagnement et de soutien de cette activité de production, c'est entre autres la société de fabrique d'aliments à bétail qui se trouve à Koubri. Le ministre ivoirien des ressources animales l'a visité en compagnie de son homologue du Burkina, Seydou Zon et Nathalie Sawadogo. À Koubri, le ministre ivoirien des ressources animales et son homologue burkinabé visitent une usine de fabrique d'aliments de bétail d'un promoteur privé. Sa réalisation a coûté 6 milliards de francs CFA. Selon ce technicien, la société a une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes et tout est fin prêt pour qu'elle soit opérationnelle dans 2 semaines. Après, les deux ministres se sont rendus à cette ferme. Elle compte une quarantaine de bovins avec une production laitière de 20 litres par jour. La visite prend fin ici à Kutu, où Julienne Nana fait l'élevage de la volaille. Le gouvernement burkinabé a mis en place un projet pilote, une femme, un coq, 10 poules. Et il semble qu'en l'espace d'une année, ce sont plus de 200 volailles qui sont vendues. Et je crois que c'est une façon aussi de tuer la pauvreté et de créer des richesses dans les milieux ruraux. C'est une expérience que nous voulons vraiment faire en Côte d'Ivoire. Le ministre Jérémy Ouédraogo du Burkina s'est réjoui de partager cette expérience dans le domaine de l'élevage traditionnel avec son homologue de la Côte d'Ivoire. Mes collègues ont donc voulu, après avoir entendu, ils ont donc voulu venir voir de quoi ils retournent, quelle en est l'effectivité. Parce que quand il s'agit des retombées, là, ils en sont convaincus. Mais l'effectivité, en termes de réalisation concrète sur le terrain, quel accueil les populations en font, je pense que c'est cela qu'ils ont voulu toucher du doigt. Et je n'ai pas pu donc m'empêcher de partager cette expérience avec eux. Je pense que l'élevage est important. L'élevage rentre dans le cadre du renforcement de la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, la sécurité alimentaire, ce n'est pas la seule production agricole. Mais la sécurité alimentaire, c'est l'agriculture, c'est l'élevage, c'est la pêche, c'est le stockage, c'est la lutte contre les mouches de fruits, c'est la lutte contre les prédateurs. C'est tout ça qui rentre dans la sécurité alimentaire. Le représentant de l'UEMOA a annoncé lors de cette visite que son institution prévoit une enveloppe de 600 millions de francs CFA à chacun des deux États à partir de 2014 pour la mise en œuvre de leur politique de l'élevage.
Dans la capitale économique, les temps sont durs pour l'industrie. Les unités de production sont confrontées à la fraude, à la contrefaçon et à la mévente de certains de leurs produits. Le groupement professionnel des industriels a fait une tournée pour faire le point sur la situation des usines, de la Sofib Ullery à la SAP, en passant par la Sonaceb et Winner Industries. Les responsables du GPI ont encouragé les différents opérateurs à rester déterminés, tout en promettant des solutions aux difficultés qui se posent. Reportage Wigiaro Kiasanu. La question est d'actualité. Les unités de production d'huile de coton et de ses produits dérivés font face à une sévère mévente. C'est le cas ici à la Sofib où stagnent des milliers de bidons d'huile et de tonnes de tourteaux. Cependant, le problème ne concerne pas que les huileries, c'est tout le tissu industriel burkinabé qui est touché. Il n'y a qu'à faire un tour à la Société nationale des cartons et emballages du Burkina Sonaceb ou à la Société africaine de pneumatiques SAP. Dans cette dernière, par exemple, plus de 720 millions de produits finis attendent dans les magasins, cela malgré une production en deçà de sa capacité réelle. Même constat à Winner Industries qui ne produit que 1 500 000 piles par mois au lieu de 3 millions. Donc je pense qu'à travers cette visite, les membres du GPI, y compris le président, touchent du doigt nos problèmes. Et après, ils vont proposer des solutions. Il n'y a pas de marché, pas du tout. Si ça ne s'arrête pas, ça va entraîner beaucoup de suppression du personnel. Pour le moment, on essaie de tenir. Mais à la longue, on ne pourra plus. Pour le groupement professionnel des industriels, il faut donc agir. Pour créer un Burkina émergent, il faut un tissu industriel solide. Et ce tissu, le peu de tissu industriel que nous avons, si nous ne le préservons pas, Si ce tissu industriel disparaît, nous ne serons que dans une situation de trading. Et il faut réglementer l'importation d'une manière ou d'une autre. Et on ne demande pas de fermer et de mettre des barbelés autour du Burkina Faso. Nous demandons tout simplement que les gens se penchent sur nos industries et réguler. Récemment sortis de la rencontre au gouvernement secteur privé, ces industriels disent compter sur le respect des engagements pris par l'exécutif vis-à-vis de leur secteur pour remonter la pente. En attendant, ils poursuivront leur tournée dans les autres régions pour encourager leurs pairs et les féliciter pour leur contribution au développement du Burkina. Depuis 1994, le Fonds d'intervention pour l'environnement est créé. Il doit regrouper les fonds existants ou prévus dans le secteur de la forêt. Mais 20 ans après, on attend encore un début de mise en œuvre de ce projet. À Ouagadougou, les acteurs et organismes intervenant dans le secteur de l'environnement se concertent sur les stratégies d'opérationnalisation du Fonds d'intervention pour l'environnement. Reportage, c'est Sylvestre Da. Producteurs, associations, ONG, acteurs de l'administration publique du Burkina, intervenant dans le monde rural, vont au cours de cette rencontre de Ouagadougou dégager les voies et moyens pour rendre opérationnel le fonds d'intervention pour l'environnement FIEU. Un fonds créé depuis 1994 dans la loi portant code de l'environnement au Burkina, mais qui jusqu'à ce jour demeure non fonctionnel. Les raisons qui font que le fonds n'avait pas été opérationnalisé jusqu'à aujourd'hui, c'était essentiellement lié à des problèmes financiers et on vient d'avoir l'appui des partenaires techniques et financiers tels que le Luxembourg et la Suède qui ont accepté d'apporter leur contribution à notre État pour que ce fonds puisse permettre aux acteurs du terrain de mieux protéger notre environnement. Le FIE se veut un instrument financier et technique privilégié du Burkina pour la mise en œuvre de sa politique environnementale. Son opérationnalisation est prévue pour début 2014 et il devrait centraliser tous les fonds des secteurs forêt et environnement existants au Burkina. C'est avec les acteurs que nous allons identifier également le domaine d'intervention du fonds, les ressources qui seront mises à l'intérieur du fonds et également les mécanismes à travers lesquels le fonds va fonctionner. Parce que nous voulons nous appuyer sur l'expérience et les formes d'appui que les acteurs ont connues sur le terrain pour pouvoir mettre en place un outil approprié, efficace et durable au service de l'environnement. Une phase pilote de financement des activités de protection de l'environnement appelée PREFIEU a déjà été lancée au mois d'août 2013 dans la région des Hauts-Bassins et du Centre-Ouest grâce aux appuis du Luxembourg et de la Suède. Et à cette rencontre, il s'agira aussi de voir comment étendre progressivement les appuis financiers et techniques aux autres régions. Les participants vont donc échanger et partager leurs expériences en matière d'appui financier afin de mieux comprendre les attentes des populations pour une meilleure appropriation du FIE et son opérationnalisation réussie.
des fonds pour les femmes pour acquérir des équipements en vue d'améliorer leur production. La ministre de la Promotion de la Femme et du Genre a présenté aux femmes des Hauts-Bassins les nouvelles stratégies opérées au niveau de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois. Reportage signé de Abobo Dulasso par Karim Cissé. Le ministre de la Promotion de la Femme et du Genre face aux représentantes des associations et groupements de femmes des Hauts-Bassins. Nestorine Sangaré est venue leur parler de la mise en œuvre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois consacré à l'autonomisation économique des femmes. Après plus d'une année d'application de la dite composante, il est question aujourd'hui de revoir certaines stratégies. Au niveau de la nouvelle stratégie, l'année passée, nous avons vu que quand on a donné l'idée, beaucoup de femmes ont vraiment répondu présentes et ont sollicité des technologies. Mais ce n'était pas toutes les technologies au sens propre du terme. Parce que s'il y en a qui ont demandé des motopompes, des moulins, des métiers tissés, il y en a qui ont demandé des assiettes, des gobelets, des pelles, des choses, des petits matériels. Et cette année, nous avons voulu vraiment focaliser la liste des activités admissibles et ensuite la liste, le type d'équipement que nous pouvons prendre en charge. Parce que quand c'est trop diversifié, les prestataires ont des difficultés pour pouvoir acheter ça et trouver de la bonne qualité pour elles. Un message favorablement accueilli par les femmes des Hauts-Bassins. Des femmes qui pensent que la correction des insuffisances constatées dans la mise en œuvre de la composante 4 va leur permettre de mieux s'affirmer. On a décidé de nous doter en matériel de bonne qualité et surtout par rapport à chaque activité, en tout cas, elle a promis une dotation vraiment de qualité pour que les femmes puissent employer d'autres femmes. Et ça va créer quand même de l'emploi et ça va aider les femmes à se développer un temps soit peu. Nous sommes très honorés, nous sommes très contentes et nous souhaitons que cela se passe comme ça a été dit. Cette rencontre a également été une aubaine pour Nestorine Sangaré pour faire l'état des lieux du programme Une femme, un acte de naissance. Un programme qui devrait permettre à plus de 3 millions de femmes burkinabées de disposer d'actes de naissance. Toutes nos excuses pour la qualité des images dans ce reportage. Nestorine Sangaré s'est rendue dans la commune rurale de Kounougou pour inaugurer un centre de promotion féminine. C'est un cadre de formation et d'épanouissement, mais aussi de concertation pour une pleine participation des femmes au développement du Burkina. Reportage signé de Widia Rokia-Sanou. L'une des activités principales qui occupe les femmes de la commune rurale de Kounougou est la production de beurre de karité. Cette activité, bon nombre d'entre elles la pratiquaient jusque-là en groupuscule, mais désormais elles pourront fédérer leurs actions autour de cette infrastructure. Un centre de promotion féminine qui leur permettra d'aller au-delà même de la réalisation d'activités génératrices de revenus. Ça va nous servir de centre de formation des différentes activités que les femmes ont déjà menées et qui d'autres formations également, comme la teinture, la couture des jeunes filles et des jeunes femmes. Mais pour que cela soit une réalité, ces femmes ont besoin d'équipements et elles l'ont signifié à leur ministre de tutelle. Nous sommes en train d'acquérir des technologies actuellement que nous pourrons mettre à la disposition des maisons de la femme et des centres de promotion féminine, ne serait-ce que pour les formations. Et pour cette maison, comme pour les autres que nous avons inaugurées récemment, nous mettons à leur disposition une dizaine de machines à coudre pour la formation des femmes et des jeunes filles, et également 5 métiers à tisser pour la formation des femmes qui seraient intéressées. Et pour que tout cela profite véritablement non seulement aux femmes, mais aussi à toute la commune de Kounougou, Nestorine Sangaré les a invitées à la cohésion et au bon entretien de ces locaux. À noter que la construction de ce centre, qui a coûté environ 25 millions de francs CFA, entre dans le cadre de la composante 4 du programme spécial de création d'emplois pour les jeunes et les femmes, à savoir l'autonomisation économique des femmes. L'association Impact Santé multiplie des initiatives pour aider les adolescents à vivre une sexualité sans risque et à lutter contre le VIH-Sida. Des personnes de ressources de 10 établissements secondaires et supérieurs de la ville de Ouagadougou sont sensibilisées sur les questions de santé de la reproduction. Reportage Yolande Lompo.
Bientôt, l'introduction de modules sur la santé de la reproduction dans les établissements secondaires et supérieurs sera une réalité au regard du nombre sans cesse croissant de grossesses en milieu scolaire. Un milieu dans lequel certains élèves abandonnent les classes à la recherche de l'or ou d'autres facilités, ce qui les expose également au VIH-SIDA. Dans la région de l'Est, on parle de location de sexe. Ça veut dire que, bon, vous savez que c'est une zone frontalière, donc avec une zone où sont installées donc beaucoup de prostituées qui viennent des pays voisins. Mais je dis aussi que même nos jeunes filles actuellement font de la prostitution. Mais la plupart du temps, qu'est-ce que ces femmes-là font? Elles pratiquent leur métier comme étant leur gagne-pain. Mais à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la location de sexe, qui consiste pour elles donc à identifier, aller vers les jeunes garçons qui sont dans les établissements secondaires, pour maintenant avoir leur relation sexuelle pour leur propre plaisir. À cette rencontre, il s'agira de mettre à nu les besoins de ces adolescents et ces personnes ressources de 10 établissements d'enseignement secondaire et supérieur de la ville de Ouagadougou vont, au cours de ces 5 jours de travaux, acquérir des connaissances sur la santé sexuelle et reproductive afin de les aider à vivre une sexualité saine et améliorer leur rendement. En marge de cet atelier de formation, nous prévoyons d'autres activités telles que des causeries éducatives. Nous allons voir les élèves, les étudiants, nous allons projeter des films également. Et à l'issue des films, il y aura un débat. Ils vont parler ouvertement de leur sexualité et nous dire comment ils font leur sexualité. Et éventuellement, nous, on va les accompagner en leur disant « Oui, vous faites comme ça, c'est très bien, mais voilà, c'est mieux de faire comme ça. » Cette phase pilote qui vient de démarrer va se prolonger jusqu'en décembre 2013. PMU InterLife planifie ses activités pour la période 2015-2018 sur l'ensemble des 9 pays de l'Afrique de l'Ouest. Cette ONG suédoise de développement intervient dans les domaines de la santé, du microcrédit, de l'alphabétisation. Au Burkina Faso, elle intervient par l'entremise de l'Église des Assemblées de Dieu, Ismaël Diloma, Sirima et Adama Koulibaly. Permettre aux personnes vivant dans la pauvreté d'améliorer elles-mêmes leurs conditions de vie, c'est le slogan de l'ONG chrétienne PMU InterLife. Pour y arriver, l'ONG et ses partenaires ont mis en place de nombreux projets sociaux. Ce présent séminaire qui regroupe des participants venus de 9 pays vient renforcer les projets déjà existants. Nous avons différents projets tels que l'électrification, la santé, l'accès au microcrédit et les droits humains. Nous faisons tout cela dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. To help them to get out of poverty. PMU InterLife travaille au Burkina Faso depuis 2006 en collaboration avec l'Église des Assemblées de Dieu. Nous avons le projet de l'alphabétisation, le projet du développement rural et le projet de l'éducation formelle. Nous avons des dizaines de milliers de personnes qui sont maintenant alphabétisées, surtout les femmes. Nous avons au niveau de la santé les sensibilisations sur l'hygiène. Et nous avons bien sûr la sensibilisation sur le VIH-SIDA. Il y a aussi le fait que nous prenons en charge les personnes vivant avec le VIH-SIDA. À l'issue de ce séminaire, des propositions de nouveaux projets pour les années 2015-2018 sont attendues. Les participants burkinabés veulent présenter un projet sur l'égalité des genres. Et pour cela, ils comptent sur la clairvoyance du Seigneur Jésus-Christ pour les guider. Qu'ils soient dirigés. Demain, c'est la Tabaski, la fête du mouton. En ville, les préparatifs vont bon train. Pour certains, elle est spirituelle. On se prépare par un jeûne en ce jour d'Arafat. Pour d'autres, on pense déjà au mouton du Tabaski. D'autres se soucient de leur toilette et de leur élégance en ce jour de grande fête. Je vous invite à faire un tour en ville pour prendre le pouls de l'ambiance en compagnie de Issaka Ouédraogo et de Nathalie Sawadgo Nabalou. Comme à toute fête, la célébration de la fête du mouton occasionne des préparatifs tant sur le plan spirituel, matériel que financier. Dans la ville de Ouagadougou, chacun prépare la fête selon ses moyens. Achat du mouton pour les sacrifices et habits neufs pour la famille. Chacun y va de son côté pour rendre la fête belle. Les couturiers, les commerçants de sutra, les vendeuses de légumes, les marchands ambulants, tous mettent le paquet pour se faire plus de clientèle. Les embouteillages bloquent le centre-ville.
c'est l'occasion de se faire des affaires. Chez certains commerçants de Soutraille, ils en font de bonnes affaires. La fête de Tabaski avec nous, vraiment, ça se prépare bien. Parce que les habits musulmans, les femmes viennent à acheter un peu. Par contre, chez les couturiers, le marché semble être timide. Ils justifient cette situation par le fait que cela coïncide avec la rentrée scolaire. Je suis venu chercher des bavins que j'avais donnés à cours. C'est bien cousu, c'est bien brodé, je suis entièrement satisfait. Pour cette année, il n'y a pas de marché. Pour cette année, vraiment, c'est compliqué. Vous-même, vous voyez, à l'heure comme ça, là, on est bousculé, on fait les heures supplémentaires, les tailleurs travaillent la nuit, mais cette année, c'est pas du tout. Ceux qui sont amenés aussi, il y a beaucoup, vous voyez, tout ça, là, il y a beaucoup qui sont entassés, ils ne sont pas encore venus chercher. Même son de cloche chez les coiffeuses qui attendent impatiemment en vain des clientes. C'est pas la même chose comme là. Il n'y a pas de clients. C'est aujourd'hui la fête a commencé. Pourtant, de métiers, ça peut commencer après 4 jours après, avant la fête. Mais c'est aujourd'hui seulement que nous, on voit les clients. D'autres disent qu'il n'y a pas l'argent. Peut-être d'ici le soir, ça va changer. Pour le moment, on ne voit rien en tout cas. Les vendeuses de légumes ne sont pas en reste. Un kilogramme d'haricots verts coûte 2500 francs CFA. Pendant que la pomme de terre varie entre 700 et 800 francs CFA le kilogramme. La raca somazo corona de la ratira toro baie calibre. Cette année, ça ne marche pas bien pour nous. Les carottes, l'haricot, tout coûte cher et nous ne savons pas comment faire. Ton comme ton nama toto corona wa hazira aka wani yu fa lore. Pour le moment, la vente de la pomme de terre marche un peu bien. Comme c'est de la pomme de terre importée, cela coûte cher. Par contre, les vendeuses de gingembre appelées yamaku et de citron se frottent bien les mains. Je suis venue payer du yamaku pour faire du jus pour la fête. Chacun fête selon ses moyens. Cette année, nous vendons bien. Les gens viennent nombreux. Nous remercions Dieu. Pour les préparatifs de la Tabaski, les moyens font certes défaut. C'est du reste l'avis de ces quelques Ouagalais qui espèrent être au rendez-vous de cette célébration au plan spirituel. À la Mecque, 1,5 million de musulmans étaient ce matin à Arafat, sur le mont d'Arafat. C'est la deuxième étape du pèlerinage à la Mecque. C'est là que le prophète a prononcé son dernier prêche. Je referme cette édition. L'information continue à 22h15. Aboubacar Sagnon sera aux manettes pour vous accompagner dans la dernière synthèse des actualités. Merci de nous avoir suivis.